75% des étudiants éprouvent actuellement des difficultés à se mettre au travail et à persévérer. Alors, c'est énorme, vous vous rendez compte? 3 étudiants sur 4 se disent en difficulté à ce niveau-là. Par exemple, les étudiants viennent me trouver et me disent, mais madame, moi je sais que je dois travailler, j'aime mes études, je veux réussir, mais j'ai la flemme, je n'y arrive pas. Et on pourrait imaginer que c'est une question de caractère, que c'est une question de personnalité. Eh bien non, ou bien pas seulement, parce que dans le cadre de nos travaux, nous avons constaté, et on a interrogé 4000 étudiants, on a constaté que les étudiants qui se mettent facilement au travail et qui restent concentrés de longues heures devant leurs différentes tâches sont des étudiants qui mettent en œuvre bien plus de stratégies de mise au travail et de maintien de l'effort que les autres. Alors, nous avons répertorié une cinquantaine de stratégies et nous les avons classées dans 5 catégories différentes. Je vais vous donner un ou deux exemples. Planifier des tâches difficiles ou rebutantes, des tâches qu'on n'aime pas réaliser dans des moments de grande forme intellectuelle. Et au contraire, fixer plutôt des travaux faciles qu'on aime bien, mais qu'on doit de toute façon réaliser à des moments où on est fatigué, où on en ras-le-bol. Par exemple, des moments où après une longue journée de cours, on a la flemme, justement. Ça a l'air tout bête, mais c'est un moyen extraordinaire pour rester concentré longtemps et pour se donner du cœur à l'ouvrage. Alors, une autre stratégie. Fixer avec un ou deux amis une séance de questions-réponses à propos du chapitre d'un cours particulier. C'est une super bonne stratégie pour se forcer, s'obliger à étudier ce chapitre. Et en plus, on fait d'une pierre deux coups, parce que le jour de la séance questions-réponses, bien, c'est un moyen extraordinaire d'approfondir sa matière. Et là, je vous ai donné deux exemples, mais rappelez-vous, il y a une cinquantaine de stratégies qui ne demandent qu'à être utilisées abondamment.